du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, prenons un petit temps de silence pour nous rappeler de nos fautes, de nos manquements, de nos péchés, et demandons sincèrement pardon au bon Dieu pour toutes nos limites. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur Esprit Saint, don ineffable de Dieu en mon âme, je suis pris par l'émotion et l'admiration en pensant à toi. Je ne trouve rien qui puisse dire la joie intime que j'éprouve de savoir que tu vis en moi. Seigneur Esprit Saint, mon âme est inondée d'amour par la contemplation savoureuse de toi. Je suis comme stupéfait devant tant de merveilles. Seigneur Esprit d'amour, tu peux tout. Tu peux particulièrement me donner la grâce que je désire le plus en ce moment. Viens dans mon cœur et aide-moi à prier. Viens dans mon cœur et aide-moi à m'attacher davantage à Dieu le Père. Viens dans mon cœur et allume en moi une véritable dévotion pour la Vierge Marie, la mère de mon Seigneur de gloire. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 2, versets 1 à 11. Il y avait un mariage à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au repas de noces avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui répond, « Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 cuves de pierre pour des ablutions rituelles des Juifs. Chacune contenait environ 100 litres. Jésus dit au serviteur, « Remplissez d'eau les cuves. » Et il les remplit jusqu'au bord. Il leur dit, « Maintenant, puisez et portez-en au maître du repas. » Ils lui emportèrent. Le maître du repas goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, mais les serviteurs le savaient, eux qui avaient puisé l'eau. Alors, le maître du repas interpelle le marié et lui dit, « Tout le monde sert le bon vin en premier, et lorsque les gens ont bien bu,
on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana, en Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Prière pour demander la restauration de nos vies par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie, Notre-Dame du Rosaire. Très Sainte Vierge Marie, tendresse de Dieu, comme tu as été invitée aux noces de Cana, je t'invite maintenant dans ma vie. Je t'invite dans mon cœur et je te supplie de régner en moi. Tu as été la première à constater que les convives n'avaient plus de vin. Tu as été la toute première à croire à la puissance de ton Fils qui peut faire un miracle. De ton vivant, tu voyais déjà ce qui était caché aux yeux des pauvres mortels que nous sommes. Je te prie, regarde ma vie et détecte tout ce qui y manque. Je te permets d'entrer dans les coins et les recoins de ma vie pour voir si tout est en ordre. Que ta douce et délicate main maternelle range et ordonne ma pauvre vie désordonnée par le péché, le manque de foi, les échecs, les maladies et les souffrances de toutes sortes. Ô Notre-Dame du Rosaire, ô Notre-Dame des Victoires, prie pour moi et veille sur moi. Que ta prière obtienne que ma vie soit de plus en plus agréable à ton divin hôte, le Saint-Esprit. Avec toi, nous contemplons la croix. Marie intercède pour nous. Apprends-nous à vivre dans la foi. Marie intercède pour nous. Très Sainte Vierge Marie, je te prie d'intercéder auprès de ton divin Fils pour ma vie affective, qu'elle soit respectueuse de la sainte volonté du Seigneur et que je lui sois fidèle comme toi. Demande la grâce de la chasteté parfaite au non-marié et celle de la fidélité au couple. Que nos corps et nos âmes sois entièrement consacré au Seigneur Jésus ressuscité. Supplie ton divin Fils d'accorder le don de la maîtrise de soi à tous ceux qui n'arrivent pas à contrôler leur sexualité. Supplie ton divin Fils d'accorder à tous les jeunes le don de la maîtrise de soi. Maman Marie, épouse du charpentier de Nazareth, présente à ton Fils tous ceux qui ne sont pas satisfaits sur le plan professionnel, les chercheurs d'emploi, ceux dont l'emploi n'est pas à la hauteur de leur attente, ainsi que ceux qui courent le risque de perdre leur emploi. N'oublie pas, notre maman du ciel, tous ceux à qui on exige des pratiques démoniaques pour conserver leur emploi
ou pour accéder à un poste de responsabilité. Tous ceux-là qui se sentent obligés d'intégrer les sectes ésotériques ou les cercles noirs pour pouvoir conserver leur emploi. Maman Marie intercède puissamment pour eux. Si le vent est en passion, très sainte Vierge Marie, épouse du Saint-Esprit, je te confie ceux qui veulent fonder un foyer, les fiancés, les couples en difficulté, les couples sans enfants et les couples sans amour. Que la toute-puissance de ton divin Fils apporte à chacun ce dont il a le plus besoin. Mère des mères, je t'invite dans ma famille pour y apporter l'entente et la paix et mettre un terme aux divisions, haines et rancunes. Ma Mère du Ciel, tu as reçu de ton Créateur le privilège d'écraser la tête du serpent. Écrase la tête du démon qui cherche à me détourner de ton Fils. Ce démon responsable de mes tentations, échecs, souffrances, désespoir et maladies. Qu'il cesse de me tourmenter et de m'entraîner dans le désespoir et la peur. Ton Fils a ordonné à la mère affolée de se calmer et elle a obéi immédiatement. Demande-lui d'ordonner à tout ce qui m'angoisse et m'affole de cesser immédiatement. Quand j'ai prié, mon Dieu m'a entendu, mon Dieu m'a répondu, son nom est Élie Shama, Shama. Quand j'ai prié, mon Dieu m'a entendu. Sans attendre d'être exaucé, je te dis déjà merci. Merci, Maman Marie, parce que Jésus, qui ne peut rien te refuser, me donnera ce qu'il y a de meilleur. Il me donnera même au-delà de mes attentes et de mon espérance. Je suis sûr qu'il me donnera plus que je n'ai demandé, plus que je n'ose demander. Merci, Maman Marie, ma tendre Mère du Ciel. Merci beaucoup. Sainte Trinité, je t'adore. Concluons notre prière en disant avec ferveur ces dizaines de chapelets en hommage à la Vierge Marie et demandons son intercession. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles et des siècles. Amen. Ô mon bon Jésus, pardonne nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, attirez au ciel tous les âmes, secourez spécialement celles qui ont le plus besoin de votre pardon et de votre miséricorde. Amen. Prière à notre ange gardien. Ange gardien à qui Dieu m'a confié, aidez-moi, montrez-moi le bon chemin et veillez sur moi. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit, et que Dieu Tout-Puissant, par l'intercession de la Vierge Marie, vous bénisse, vous garde et vous exauce. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Amen. Mon Dieu est présent dans la joie, il est présent dans la tristesse. Mon Dieu entend toujours. Il écoute et sa main est toujours prête à exaucer. Son nom est Elisha. Mon Dieu est présent dans la joie et dans la tristesse. Je dis son nom est Elisha. Son nom